Je m'appelle Inaya, j'ai 13 ans, j'habite à Évry-Courcouronnes. Aujourd'hui, je me rends au restaurant La Case à Ris-Orangis pour découvrir une recette africaine. Avec ma mère, on aime bien cuisiner et pâtisser. Du coup, ça m'intéresse de découvrir de nouvelles recettes pour pouvoir les refaire à la maison après. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va cuisiner quoi? Et ce sera fufu et avec la sauce d'arachide. D'accord. Bon, on l'appelle communément sauce mafé. Et la sauce d'arachide, on peut faire ça avec la viande aussi. Mmh. Mais aujourd'hui, on va faire ça avec du poulet frit. D'accord, ok. Ok, tu me suis en cuisine. Ok. Je suis prête. Ok. Vous êtes bon. Cuisiné depuis combien de temps? J'ai tout appris avec ma maman. Ok, donc en fait chez vous la cuisine c'est un petit peu de famille? Oui, c'est de famille. Okay. Est-ce que tu aimes bien la nourriture épicée? Oui, moi j'aime bien. Ok, donc il n'y a pas de souci. Je te laisse découper ça. Tu peux faire sur la planche? Oui, comme tu veux. Et une recette comme celle qu'on va faire aujourd'hui, ça prend combien de temps à réaliser? Bon, disons ici 5 à 10 minutes. Okay. La sauce, on l'a pré-cuit. Ouais. Mais le foufou, on l'a fait à la commande. Ça vous pique pas les yeux de couper les oignons? Non. Vous êtes habitué? Oui, je suis habitué. En plus, quand on le lave dans l'eau, ça pique moins. Là, on a oignon, ail et gingembre écrasé. Et donc ça, c'est la base de la plupart de vos plats? Oui, c'est ça. Ça, c'est le secret là. Ok. Et ça. Tomates, concentrer les tomates. Ça, c'est typiquement de trois pays d'Afrique. Ok. Du Togo, du Bénin et du Ghana. Bon, on va mettre ça là, dans l'eau, dans l'eau chaude. Mais il faut que, pas que ça dépasse 10 minutes. Ok. Voilà. Ok, merci. En tout cas, ça sent très bon la sauce. Merci. Tu mets d'abord les poivrons? Oui, je mets d'abord les poivrons. Ça doit donner chaud de mélanger autant. Oui, oui. Et là, je mets le poulet par-dessus. Oui. Et vous, c'est lequel que vous conseillerez à des clients entre ces deux-là? Ah, j'ai l'embarras du choix. Et là, on va passer à table. On va goûter. Tu me diras ce que tu en penses. C'est parti, ben je te suis. Bon appétit. Ah, merci, toi aussi, bon appétit. Merci. En tout cas, ça a l'air très appétissant ce qu'on a fait. Merci. J'espère que tu pourras faire ça chez toi. Oui, avec plaisir. C'est bon? Oui, c'est très bon. Merci.